c'était une première pour moi et je crois même pour la SNCF. On a toujours une appréhension quand on est précurseur dans de l'innovation de méthodes de travail. On se demande toujours si on a la bonne solution. Le site, techniquement, ne nous laissait pas trop de possibilités pour évacuer le bois. Il a fallu réfléchir à une organisation, bien analyser les contraintes, notamment d'un point de vue de la sécurité. Pour cela, il a fallu aussi s'imprégner de la méthodologie concernant le débardage, anticiper, entre guillemets, sur des éventuelles réactions des chevaux. Une fois cette analyse de risque faite, on a mis en place des parades pour réaliser ce chantier dans les meilleures conditions, en toute sécurité. La demande de la SNCF était de sortir la totalité du bois. Et on n'avait pas la possibilité d'intervenir avec des engins, et donc on est intervenu avec les chevaux. Ce que ça permet d'intervenir sur des zones qui sont extrêmement restreintes. On a une nappe qui est assez haute. Là, on va extraire le bois qui vient d'être abattu. On a demandé au bûcheron de le couper de moitié pour pouvoir le ramener vers la voie, pour pouvoir le sortir et l'exporter plus loin. Là, on a le talus, on a peu de portance, et il y a la voie à proximité, donc voilà, il faut mieux recouper la charge, on prend moins de risques comme ça. C'est pas hyper stable en réalité, mais suffisamment pour un cheval. C'est vraiment pour réduire la pénibilité, quoi. Oui. Et donc l'efficacité et puis augmenter la rapidité d'exécution pour le travail et puis soulager un peu l'humain là-dedans, parce que voilà. S'il fallait tout tirer à la main, il y a beaucoup de saules enchevêtrés les uns dans les autres. Il y a un fossé avec 1,50 m d'eau. Donc quand on doit tirer ça à la main, ça occupe les mecs quand même. Et les chevaux, ils sont. Si on les considère, bon, pas que comme des outils, mais ils ont quand même une facilité à se déplacer dans un espace serré. Donc ils sont quand même hyper maniables. Et dans des espaces comme ça, moi je trouve ça assez efficace finalement. Ils peuvent déplacer leur poids 6 heures par jour. Et après c'est une histoire de respecter l'effort, de ne pas être dans des choses très très soutenues, d'avoir des temps de récupération. Ouais, c'est un peu un athlète de fond. On a fait une première opération en décembre avec une équipe de 5 personnes qui sont passées pendant une semaine pour débroussailler les talus et dégager qu'on y voit clair pour pouvoir travailler avec les chevaux. Et dans un deuxième temps, donc là en janvier, l'intervention avec les chevaux pour le débardage du bois. Là, on est en sécurité classique, c'est-à-dire par rapport au marché, c'est une zone de 2,50 m, étant donné que sa route roule à moins de 160. Et donc c'est balisage par la rue balise, accroché à des piquets. Et puis voilà. Et aucune mesure particulière. Moi je leur fais une légère alerte quand les trains y passent, je leur signale, de manière qu'ils s'arrêtent. Il n'y a aucun risque d'engagement de la voie, donc c'est bon. Il y a une entreprise locale qui récupère le bois, qui le valorise en bois énergie et en bois bûche. Je me rappelle très bien quand on avait des échanges avec l'entreprise. C'était à l'époque de la COP21 à Paris. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai dit OK pour faire ce chantier, mais en tout cas, je trouvais que c'était un joli clin d'œil.